J'ai travaillé dans une chocolaterie et c'était trop bien, ça sentait trop bon. Tu pouvais te servir dans les cuves avec des litres et des litres de chocolat partout. C'était vraiment le bonheur. Je travaille aussi dans le cannelé, c'est une pâtisserie bordelaise. C'était le bonheur. Tu manges les cannelés bien chauds là qui sortent du four. J'ai fait les crèmes glacées. Ça en été, c'est trop trop bien. J'ai fait le vin aussi. Bon, aujourd'hui, je bois plus d'alcool, mais à l'époque, c'était cool. On avait des bouteilles de vin, puis c'était dans le Bordelais. Et le dernier taf que j'ai fait, j'ai travaillé dans le yaourt de chèvre bio. Là, c'était pas bon du tout. J'ai fait un burn-out. Et ça m'a permis de me lancer en tant qu'indépendant et de faire ce que je faisais. Donc, j'étais ingénieur. J'accompagnais du coup ces entreprises, ces industries dans leur développement. Maintenant, je le fais avec les personnes et les entrepreneurs, les coachs. Et les thérapeutes. Et c'est marrant parce que j'utilise pas mal d'outils que j'utilisais avant. Et si tu as des questions sur comment j'ai fait ben, pour me lancer, pour faire cette reconversion professionnelle, si tu veux un peu voir les outils que j'utilise, tout commence par se connaître. Et c'est pour ça que je t'invite à faire le test de personnalité qui est en bio, tranquillement, calmement. Par contre, attention.